Et salut à tous, soyez les bienvenus sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure avec Kratos et Atreus sur le jeu God of War. Alors, on avait fini entre guillemets l'épisode 1 et là nous sommes en direction de la montagne. Donc on part à l'aventure, donc c'est parti. Atreus je ne sais pas. Doit me suivre normalement. Qu'est-ce qu'il nous voulait? On n'a rien de spécial. Tu l'as tué? J'ai fait ce que j'avais à faire. Pas vraiment, quoi. Enfin. Un petit peu. Ok, allez, on continue, on avance. On a un peu détruit tout le décor. Mais c'est pas grave. T'aurais pu mourir. Ne me laisse plus jamais seul, d'accord? D'accord. T'inquiète. On va pas sauter ici là? Je pensais qu'on pouvait traverser avec l'arbre. Donc non, on va aller ici. Donc là, on va monter, je pense. Yes. Monte. T'as déjà tué des hommes avant, n'est-ce pas? L'escalade. T'as l'habitude. On fait ce qu'on a à faire pour survivre. Les animaux, je comprends. On les mange. Les drogards, ils sont censés être morts. Mais les hommes, ils essayent de survivre aussi. Tu dois fermer ton cœur. Ouais, c'est pas vraiment Au ça en cours de fait. Notre Hein. voyage, nous devons affronter de nombreuses créatures. Ouais. Ignore leur désespoir. Ferme ton cœur à leur souffrance. Tu ne dois pas ressentir de pitié pour eux. Ils ne Alors. mourront pas pour toi. Y'a quoi ici? J'ai vu un truc Je bleu là-haut comprends. là. Je sais pas ce que c'est. Ah, faut que j'aille là-haut, y'a un truc intéressant. Tu crois que c'est là depuis tout ce temps? Comment je peux monter là-haut? Bon déjà Je on va veux bien essayer. m'aider à monter là-haut. T'inquiète. J'aurai une meilleure vue. Je vais essayer de ramasser tout ce que je peux. Voilà. Est-ce que ça... Voilà, rien d'intéressant dedans. Ça doit être comme... Alors, avec la hache, je pense. Je sais pas ce que ça a fait, mais ça a fait quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je t'aide? Oui, on y va. La seule chose à faire, c'est de traverser ce pont. Ouais, bah, faut pas genre. Ah, mais il tourne pas. Ok, la chasseuse à faire, c'est traverser le pont, mais... Mais comment on fait, petit monsieur? Ah! Tu crois pouvoir la baisser de là-bas? Ok, j'ai compris. C'est plus logique. Vas-y! Et là, je le gèle. Non? C'est bon! Libère la chaîne! Atreus! Oui, père. C'est bon? Bah, j'ai qu'à faire ça. Bonne idée. Voilà. Et là, je monte. Génial. Ensuite. Ce seau. Ah, il y a un tu truc crois ici. Que c'est pour les offrandes? Maman disait que les disciples d'Odin les remplissaient de cadeaux et les accrochaient hors de portée des voleurs. Celui-ci a l'air très vieux. Stupide. Ah, un coffre. Les dieux n'ont que faire des offrandes, et les hommes ne devraient pas vénérer des monstres. Ok, encore un peu d'argent. Donc on passe de l'autre côté. Pour grimper par ici. On croisera des gens sur la route. Oui. Gentil? Non. Ils essaieront de nous détrousser? Peut-être bien. Oui. Alors, il y a une chaîne ici. Est-ce que... Ah d'accord, c'est juste un raccourci par rapport à tout à l'heure. Ok, ça ne sert à rien.
Hop, on monte par ici. Ah, je suis stressé, je veux savoir ce qui va se passer et qui va me tomber dessus, franchement. Regarde. Depuis tout ce temps, la forêt tout entière était protégée par un symbole. Mais... le symbole est brisé, là. C'est toi qui les as coupés. Elle avait marqué les arbres qu'elle voulait pour son bûcher. Pourquoi elle a fait ça? Viens. Trop tard pour les regrets. Oh là 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 là. Toujours rien. Je sens qu'il va y avoir quelque chose là. Dis, combien de temps on va mettre pour atteindre la montagne? Je ne sais pas. On y sera avant l'hiver? Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. Zone découverte. Forêt de faubourg. Attends mon signal. Tu te calmes. Tu te calmes. Non mais allô quoi. Est-ce qu'on va les attaquer? Qu'est-ce qu'on attend? Fais pas les regards du monde par ici. Allez, bim. Wow! Qu'est-ce qu'il fait lui? Atreus, concentre-toi! Tu te concentres s'il te plaît, merci! Oh là, c'est quoi ça? Les indicateurs de menace autour de Kratos? Ok, j'avais compris depuis le début. Ok. En violet annonce un projectile. Ok. Volte-face. Oh, génial! N'est pas fini! Oui, père! Ne les laisse pas souffler. Oh la vache, il a piétiné la tête. Oh là là. Vas-y, continue. Génial. Il y a un gars là-haut là. Il est où? Là-haut, là-haut, tire là-haut. C'est bon. Comment c'était? Je t'ai réussi là. Si tu veux m'aider, fais diversion. Distrais ceux dont je ne peux pas m'occuper, mais uniquement si c'est sans danger. Je peux le faire. Ça, c'était bon. Vous pouvez reconfigurer la volte-face dans les paramètres. Appuyez sur Options pour accéder aux paramètres de jouabilité. Oh, c'est bon, c'est pas mal ça. Bon, on va regarder aux alentours pour voir si c'est quelque chose d'intéressant. Là, hop, on prend un peu de santé. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Faut qu'on monte. C'est par là. C'est quoi, ça? Là, regarde. Viens. C'est écrit en quelle langue? Il y a un campement de Jotnar là-bas. Des Jotnar? Des géants. Tu sais lire ces inscriptions? Certaines. Uniquement les langues que maman connaissait. Mais elles se ressemblent toutes, alors parfois j'arrive à comprendre même si je les ai pas apprises. Tu vois? D'accord. Ok.
Donc il va y avoir des géants. Oh là, ça commence. Chemin de la montagne, continue en direction de la montagne. D'accord. Donc ici déjà on a quelque chose. Ok. Je te casse! Je t'ai pris pour qui toi? Autre chose? Espace tes tirs, la vitesse te fait perdre en précision. Compris. Ouais, ok. Génial. Hé, hey, on dirait qu'il y a un coffre là-bas. Ah, il y a un bête de coffre là. J'espère que c'est des sous. C'est quoi ça? Baiser de Hell. Attaque runique, rapide. Soudain, explosion d'énergie qui interrompt et renverse tous les ennemis à proximité. Option pour continuer. Okay. Vous avez obtenu la gemme d'attaque runique Baiser de Hell. Les gemmes runiques vous permettent de personnaliser votre arme, vos armes pour effectuer des attaques runiques rapides et puissantes. Allez dans l'onglet armes pour insérer la gemme runique à l'emplacement prévu. Ok, donc là, je mets la gemme. Ok, qu'est-ce qu'elle fait cette gemme? Génial! Utilisez l'XP pour améliorer les attaques runiques. Les attributs seront ainsi augmentés. Ok. Ok, bah vas-y, mets-la. C'est bon? Les attaques runiques équipées sont indiquées par un symbole E. Appuyez sur rond pour revenir à l'onglet armure. D'accord, génial. C'est-à-dire... Ok, donc là, je viens de mettre ça. Niveau 1, récupération 30 secondes, ok. Donc on va sûrement l'utiliser. D'accord, donc ok, on a un petit logo en bas à gauche. Maintenez L1 puis R1 pour effectuer une attaque runique. Wow, comment t'as fait ça? La vache! Ok, c'est génial. Allez, on y va. Ah, je pensais qu'on allait passer en dessous. Merci. Au calme. Voilà la montagne. Allons-y. Attends. Tu te calmes, s'il te plaît, merci. Ça prend rien. Bien sûr. Continue, tu vas tomber, tu vas voir. Voilà. Voilà. Mais c'est pas possible. Aide-moi. Accroche-toi. Vite. Je glisse. Reste calme. J'y suis presque. C'était pas si mal. Calme-toi. Ton empressement nous tuera. Désolé. Oh, encore des drogards. Mais ceux-là bougent pas. Ils sont morts. Enfin, plus morts. Atreus. Ils sont pas morts, ils sont pas morts. Le niveau de difficulté des ennemis est représenté par la couleur de la jauge de santé et le chiffre situé. Oh là ça! La couleur de la jauge de santé des ennemis vert, violet, on s'en fout. Oh my god! N'oublie pas! La précision avant la vitesse! My god. Ça vient s'il te plaît. Oh là là, ça a été compliqué tout ça. Attends, je vais faire l'attaque spéciale. Ouais, ah, la gueule hein. Tu tires là-haut, tire là-haut. Yes. Hey,
là là. Arrêtez avec vos lance-trucs de chien. T'inquiète, on va l'avoir. Allez, finis-le. Bien joué. C'est quoi ça? C'était le dernier. C'était mieux. Prends encore plus ton temps. Peu importe si tu ne tires qu'une fois. L'important, c'est la maîtrise. Il a raison, ton père, écoute-le. Ok, donc là, il y a quoi? Il y a un coffre ici. Regarde ça. De quoi? T'es où? C'est quoi? Lila. Oh, c'était une sorte de marché. Les géants se rassemblaient ici pour commercer avec les dieux, il y a très longtemps. Je me demande si Odin est venu ici. Quelque chose brise le mur! Là-haut! Voilà, tu te calmes, s'il te plaît. Comment ça? C'est où? Il y a quelque chose derrière le mur! Oh là là, il est un peu plus costaud celui-là, non? Oh la vache! Vas-y, tire dans le tas! Nickel. Ah, on fait une belle équipe, hein. Alors, le truc, c'est que je voulais... Attends, on peut passer par là. Pardon, pardon. Faut qu'on monte. Faut qu'on monte. Regarde, par ici, on peut pas. Il y a une ouverture là-haut. Je casse tout, moi. Où ça? Ah, ok, par là. Oh, tu entends? Qu'est-ce que c'est? On verra bien. Ne t'éloigne pas. Attends, moi je voulais aller voir le coffre. Comment on fait? C'est qui parle comme ça là? Non, on peut pas. Bon, c'est pas grave, allez. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une vieille folle. On s'approche du champ bizarre alors. Bah ouais, on est obligé. Hein. Oh my god, what is the fuck? Quoi ce truc? Bah elle est partie où? Mais pas pour tes flèches. Mais je peux pas la toucher. Tire, vas-y, tire, tire. J'ai tout ce que t'as. Oh là là, c'est quoi cette merde? C'est du poison. Ouais, on va l'attaquer de loin. Vas-y, petit. Yes. Bien joué. Ah, elle était dégueu, hein. Donc là, ah, on peut rajouter de acheter de la compétence. On va aller voir ça. Alors, comment on fait? Ah oui, déplacer. Ok, donc là, on a celle-là.
Ok, et on a combat rapproché. Ah oui, mais là, attends. Ah oui, donc où je fais le bouclier, où je fais la hache, où je fais l'arc. Ah, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais améliorer la hache ou pas. Ou j'améliore la flèche là, l'arc et flèche. Ou le bouclier. Donc là, Atreus aide Kratos, lorsqu'un ennemi est dans un certain état de vulnérabilité ou lorsque son père est attaqué. Ici, quand il étrangle un ennemi et que Kratos lance une propulsion à l'ennemi de loin, Atreus peut exécuter un enchaînement. Intéressant. Et là, Atreus peut effectuer différentes attaques infligeant d'importants dégâts étourdissants quand les ennemis sont à proximité. Moi, je pense que je vais mettre Atreus pour l'instant, parce que ici, il y a quoi? En rage spartiate, appuyez sur R1 pour porter un violent coup de poing à l'ennemi. Et là, en rage spartiate. Ok, ça c'est qu'on est en rage. Ah, il y a beaucoup de choix. Franchement, j'ai pas d'idée. On va commencer avec la hache. On va commencer avec combat rapproché. Maintenez R2 pour incerner un coup de fendoir brutal à la hache. Et celui-là. D'accord, il lance la hache et ça fait plusieurs ennemis. Et celui-là. C'est un enchaînement. R1, R1, R1 et R2. Oh, on va faire celui-là. Celui-là. Comment on fait? Acheter. Yes. Du coup, est-ce que je peux prendre celui-là? Ah non, lui, il est déjà. Ok. Du coup, on a ça. Maintenez R2 pour asséner un coup de fendoir brutal à la hache, infligeant d'importants dégâts. Génial! On continue? Allez, c'est parti! Allez, viens, Atreus. Là, il y a un coffre. Ah, c'est le coffre de tout à l'heure? Ouais, c'est-à-dire, on va pouvoir là. Ah non, je suis revenu en arrière. Mais moi je voulais le coffre! Bon, ok. On va aller par là. On va pas avoir le coffre. Je comprends toujours pas pourquoi cet homme t'a attaqué devant chez nous. Je te l'ai déjà dit. Je ne sais pas non plus. Arrête de poser des questions, toi aussi, là. Ah, il y a un autre coffre. Ah, il y a un beau petit coffre ici. Que c'est de l'acier tout. Ok, et j'ai vu, il y a autre chose par là, là. Ah non, là à mon avis c'est où faut que j'aille. Et il y a quoi ici? Il m'a dit il y a quoi là-haut. Ah ouais, c'est quoi ça? Il faudrait qu'on arrive à remonter là-haut, mais comment? Suis-moi. Comment ça, suis-moi? Moi je sais pas comment on fait. Faire le tour parce que par là. Ok, bon, faire le tour, passer par là. Non non, on vient d'arriver. Attends, on va faire le tour. On passe par là déjà. Wow, tu sors d'où toi? Ok, donc là on va avoir beaucoup de boulot, je pense. Parce que là, il y a plein de trucs. On va voir ici déjà. Il y a quoi? Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Là, il y a d'autres petits monstres. Vous êtes chiant, vous. Hein. Allez, les deux en même temps, et bim! C'est bon? Ok. Donc ici.
quoi ça? Ah là, oui, regarde. Une fresque. Ça dit que son nom est Rungnir. Mère m'en avait parlé. Un guerrier géant fait de pierre. Il la prépare à une grande bataille, on dirait. Odin est là, et Thor, et même le serpent monde. Oh, Thor a dû lui fracasser la tête. Tu vois? Mais là, il est écrasé sous le corps de Rungnir. Idiot. D'accord. Au-delà des mythes. Ok, alors attends, faut qu'on regarde bien. Faut pas rater les étapes. Déjà ici, Atreus, il y a quelque chose. Par ici. D'accord. De quoi? C'est quoi ce truc? J'ai déjà vu ce langage. Un parchemin, ok. Putain, il y a plein de choses. Casse-toi, toi. On va passer par là, voir si c'est quelque chose. Déjà, il y a un petit coffre avec... Ah, c'est avec les... De la magie. C'est quoi ça? Ah, ça a dû remplir la rage. Donc là, il faut que je trouve les... Les petites runes, là, explosées. Ah, il y en a une là. Je suis trop loin. Deux. Par contre, le troisième, où est-ce qu'il est? Ah, il y a un truc par là, non? Il faut aller de l'autre côté. Plutôt, t'as dit que des gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerais s'ils essaient. J'ai pas peur. Tu te calmes. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. C'est compris? Mais je peux me battre maintenant. Tu resteras à l'écart, Atreus. Un point, c'est tout. Il manque le C. Alors attends. Où est-ce qu'il faut que j'y aille? Parce que là, pour descendre ça, là. Ah, il est là-bas le C. Ah, mais il est trop loin, faut que j'aille là-bas. Ah, ok. Et voilà. Ça a marché. Ok, on va aller le chercher, viens. Donc déjà ici on a un petit coffre. Intéressant. Ok, et là, il est là notre C. Oh là là. Oh! Bim! C'est tout? C'était le seul? Ok, donc là, à mon avis. Encore toi! Je suis pas prêt. Nique lui sa race. Ouais. Voilà, toi t'es fini. Continue comme ça. Bien joué. Yes. Bon, vous allez me laisser tranquille maintenant. Courage, mon garçon. Bon, on va pas... Attends, je reviens un peu en arrière. Voir si j'ai pas raté quelque chose. Parce que là, il y a une chaîne, mais à mon avis... Ouais, faut que je continue pour y arriver. Ok, on continue, on continue, on est trop chaud. Alors ici, déjà, on prend ça. On descend le pont. Voilà. Est-ce que je peux jeter ma hache là-dedans? On peut pas.
Ah mais ça va. Oh là là. Moi, je... Ah je sais. Attends. On fait ça. Ok, on s'arrête là. Et on bloque tout. Ça a marché. Putain, fallait y penser hein. Il y a de la vie partout. Il y a un petit coffre ici, on le rate pas. Tous ces morts, je pense qu'on sera en sécurité. Tu penses que c'est plus sûr ici? Franchement, je suis pas sûr. Hein. Putain, il y a des morts partout. Je le sens pas là, je sens pas ce genre d'endroit. Cette odeur. Je le sens pas du tout même. Maintenant. Ce sont des Éliens. Ils sont vivants. Tu veux quoi toi? Préparez les feux. Zygmunt, des couteaux. Tant de jours sans viande fraîche. Viande? MDR. Qui? Nous? Reste derrière moi. Et s'ils se transforment comme les autres? On va devoir les maintenir en vie. Taillés dans la viande. Morceau par morceau. Laisse-moi m'occuper d'eux. Ouais. Oh les pauvres. Je vais vous dégommer, vous n'avez même pas compris. Yes. D'accord ou pas? C'est qui ce mec? Bah alors. Pourquoi tu te caches? Descends, non? Oh, tu le lâches? Ah bah voilà. Atreus! C'est quoi ça? Ils sont tous transformés? Je m'en occupe. Oh my god! Ouais, je suis Kratos moi. Quoi? Tu peux être bleu, violet, vert. Je te nique ta race! D'où tu me touches toi? Voilà. Et ils sont revenus. C'est ouais, terminé. Très bizarre. Je veux partir d'ici. Alors ressaisis-toi. On doit trouver la sortie. Très bien. Ok, quittez les ruines. Donc je pense que ça sera tout pour cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner, liker et bien sûr à commenter la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.